Bon après-midi, tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà le 28, le jour de la pleine lune est en train d'arriver. Je vais vous proposer ce bain-ci que vous allez faire. Ce n'est pas un bain que vous allez préparer les ingrédients des jours à l'avance pour le faire. Vous pouvez trouver tous ces ingrédients-là le même jour, vous le faites. Faites-le avec foi, ça va beaucoup vous apporter. Ça concerne tous les domaines, ce n'est pas un seul domaine. Tous les domaines de votre vie, vous voulez voir une amélioration, un déblocage. Vous voulez que les choses s'activent rapidement. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les affaires, ça peut être un dossier que vous voulez déposer, un dossier que vous avez déjà déposé, vous attendez les résultats là-dessus. Ça peut être une demande que vous voulez faire, une demande d'aide, une demande d'augmentation, une demande de mutation, n'importe quelle demande, vous pouvez faire aussi ce bain-ci. C'est vraiment très efficace. Ça peut être aussi pour les dossiers que vous avez déposés depuis, vous n'avez pas des nouvelles. Faites aussi ce bain-ci en faisant cette prière-là. C'est très efficace. De tous les bains que je vous propose pour le 28, moi-même je vais faire ce bain-ci que je suis en train de vous proposer. Donc, j'ai vraiment foi en ce bain. C'est très simple. Ça se fait facilement, mais ça peut être très efficace. Voilà, je vous explique mes abonnés. Pour ce bain, vous allez chercher un peu d'huile d'olive. Vous allez chercher les feuilles de persil sèches ou fraîches. Sèches ou fraîches selon le pays où vous vous trouvez. Les feuilles de basilic sèches ou fraîches selon le pays où vous vous trouvez, et un peu de sel de cuisine. Voilà, c'est très simple. Le soir du 28, à 19h, vous allez prendre votre seau de bain, vous allez mettre de l'eau à l'intérieur, la quantité d'eau qui vous suffit. Vous allez faire le mélange des quatre ingrédients là. Vous prenez un peu de feuilles de persil sel, sec, vous mettez dans le seau. Vous prenez un peu de feuilles de basilic sèche, vous mettez dans le seau. Vous prenez un peu de sel de cuisine, vous mettez aussi dedans. Et une petite quantité d'huile d'olive, vous mettez dedans. Tout ça dans le mélange d'eau là. Quand vous composez ça à 20 heures comme ça, laissez dans un coin de la maison à un endroit calme pour faire votre bain très tard, vers les 23h30. Donc composez ça 2 ou 3 heures avant de faire le bain de la nuit. Maintenant, je vous conseille, avant de faire ce bain-là à 23h, prenez votre repas même vers les 19h, 19h30 et ne mangez plus jusqu'au lendemain. Vers 19h, vous mangez. Après, vous composez votre bain. Quand vous avez composé le bain à 20h comme ça, les 2 ou les 3 heures qui vont passer entre le temps que vous avez fait la composition et le temps que vous avez pris votre bain, vous pouvez être en prière, vous pouvez méditer. Pour les chrétiens, vous pouvez prier au nom de Jésus. Pour ceux qui sont musulmans, vous pouvez faire la fatia. Pour ceux qui sont bouddhistes ou des autres religions, c'est le temps pour vous de vraiment méditer à ce que vous allez faire. À 23h50, presque minuit, allez, prenez cette composition-là. Rincez-vous de tout ce bain-là. Quand vous vous rincez du bain, rincez-vous de ce bain en prononçant les paroles de la nouvelle vie, de la nouvelle ouverture, de la nouvelle aura, de la nouvelle personne que vous êtes. Vous prononcez, vous frottez tout l'eau du bain sur tout votre corps.
Vous versez l'eau sur votre tête et vous frottez votre corps du visage en descendant pour aller vers les pieds, un peu comme si vous retirez la saleté de vous. Vous ne mettez pas l'eau en entrant sur votre corps, vous versez sur votre tête et vous essuyez l'eau de la poitrine en descendant jusqu'au niveau des pieds. Vous rincez comme ça, vous vous rincez comme ça en faisant votre prière en français ou votre langue maternelle. Quand vous avez fini, allez vous coucher. Le fond de l'eau qu'il y a toujours dans le seau, versez ce fond d'eau-là. Ne vous faites jamais votre bain avec toute l'eau qu'il y a dans votre seau. Laissez toujours un fond et vous versez ce fond-là, soit dans votre douche ou dans votre WC. Vous tirez l'eau, vous allez vous coucher et le bain est terminé. Ce bain est ouvert à tous les vœux que vous avez dans le cœur. Faites-le seulement avec foi et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Bonne journée et à la prochaine.